avant que nous étions indépendants, quantité de gaz qui gagne, parce que dans ce bas, c'est là qu'il y a plusieurs compartiments de gaz. Si il y a un compartiment de gaz qui va gagner autant de gaz, il y a obligé de transférer le gaz là de 140. Donc après, ça relo, weight and balance. C'est balance, balancé à toi. Donc bon, ça c'est des bagailles que les passagers va connaître. Si j'ose dire, il y a trop de poids derrière, avion comme ça, l'avion va balancer. Donc c'est pour ça qu'il y a des règlements de quantité de poids qu'on mette qui sont disponibles dans l'avion. Que l'on va voyager, on va voyager dans toute sécurité. Il y a un problème avec AR, justement, mais on s'adresse ici, hein,
permettre ton travail, au lieu que par exemple nous faisons entretien local, nous faisons travail la nuit, nous permettre de voler plus, nous permettre d'avoir un meilleur retour. Je dis à nous, j'ai fait un jour par avion, parce que nous obligé de faire un entretien. Mais si nous sommes au centre d'entretien là, la première mécanicien qui a fait un travail sur l'avion pendant la nuit. Donc les avions vont voler, nous permettre de travailler sur l'avion. Sunrise, qui voulait boîte, mallette en province. Pour qui ça, pour une mallette. Le fait que aujourd'hui, nous avons surplus de mallette qui allait vers passer bagages supplémentaires là en tant que courrier. Pour qui ça, parce que aujourd'hui, chaque monde qui a voyagé, pas qu'à aller avec plus que deux mallettes. Donc, nous obligés à accommoder. Bagage supplémentaire là, en tant que courrier, le cargo, si vous voulez, le cargo. Donc là, c'est service courrier qui l'a. Donc aujourd'hui, nous trouvons obligés de mettre un avion à disposition et mallette supplémentaire pour vous consolider là avec moi tout pour que nous pourrions mallette salon dans la destination que nous servions. C'est vrai, nous parlons approfondir l'interview. Mais là, comme si nous c'est pesé, il y a pesé, mallette, oui. Carton. Oui, on est obligé de peser tout ça qui monte dans l'avion. Hein. On peut peser mallette là. Pour que on voit mallette là, parce que c'est super important. Parce que chaque avion a une capacité que on peut transporter. Et c'est pour ça que dans le vol régulier, ça arrive souvent que. Il y a plusieurs mallettes qui ne peuvent pas aller parce qu'il y a une restriction de poids. Donc, j'ai obligé de peser les mallettes là pour dire avec qui poids on va voyager et qui poids on ne peut pas voyager. Et c'est pour ça que, encore, on va répéter nous que la majorité des fois, on est obligé de passer les mallettes et boîtes. Donc, c'est des séparés qui sont pour hier. Pour qui ça? Parce qu'il n'y a pas qu'à aller dans le même avion qui transporte des passagers. Parce qu'il y a une restriction de poids. Est-ce que nous-mêmes devons croire nous bailler chaque client qui vient là-haut ou t'as vu la plus qui genre de grossesse? Automatiquement que le client vient avec plus mallette, l'aller directement dans le service courrier. On est en service courrier, il même consolide mallette, ou boîte, n'importe son courrier, dans un avion cargo pour que vous voyez à destination finale. Qui genre fait face ensemble avec la sécurité? Nous faisons face avec la sécurité, comment nous elle? Comment la sécurité, c'est pas un bagage qui. C'est pas. En tant qu'haïtien, il n'est pas well bien du tout. Ça veut dire que tout nous fait face, nous tous nous souffrons de la sécurité. Des employés qui viennent travailler pour eux, et des employés qui prennent l'état, tout le bagage. En tant qu'haïtien, il est difficile pour nous tous. Alors, tout le monde savait nous, là, c'est nous qui nous avons fait aujourd'hui ou nous non, tout le monde nous, là, c'est pas forcément des gens qui ont voyagé, ça c'est nous qui sommes dans le service courrier. Hein. Donc, il y a des gens qui viennent porter bagages dans le service courrier. Hein. L'autre ligne, là, c'est l'ingénieur qui est venu justement, là, c'est le service courrier. Hein. Ok, le poids mon a dépassé, qui processus nous fait? Est-ce que ici après nous a rejoint les bagages? C'est sûr, encore une fois, m'expliquer que le service pour y'a, nous n'avons pas forcément reçu quoi. Bagage là, je vois même pour qui ça, parce que j'ai obligé de consolider plusieurs pour y'a ensemble pour que vous fassiez un vol pour y'a. Ok, là, mon ami dit que nous avons les bagages là, et est-ce que nous avons rejoint des gens qui sont vraiment fâchés, qui disent. C'est sûr, le problème non, c'est que les gens qui sont dans le service courrier ont dit que le bagage n'a pas arrivé le jour même parce que le vol courrier n'a pas fait chaque jour, il a fait deux fois par semaine. Ils ont dit que les gens que une fois que le bagage est dans le service courrier, la poste de vol, dans le jour qu'il y a bien vol courrier, ils ont bien spécifié les gens qui jouent la poste de vol.
Là, je dis à nous tous, nous avons l'espace de nous capables de son accident, son cas qui est passé au CAI. Il y a des diaspora qui t'a dit, ils viennent avec valise, et ils arrivent en bas, ils partent une valise, son wise tape en valise. Et est-ce que les gens qui ont sa fête dans son wise, et tout ça dans la valise, mallette, tout ça? Encore une fois, le monde a voyagé, que chaque monde a. Si on a voyagé, on voyage à trois valises, ou bien valise que vous checkez là, et c'est valise que vous embarquez dans l'avion, ok? Et ou bien valise qui est extrêmement lettre, là, ça ou l'extra bagage là, que vous voyez dans le courrier là. Et dès le commencement, vous expliquez aux passagers qui voyagent là, que les gens ont droit à une valise, qui sont valise 23 kg, et bagage additionnel là pour aller dans le courrier là. Donc, moi comprends mes contentements mon parce que on a rien mais recevoir valise là même jour que au hôtel là mais nous bien fait client on est que valise là a privé dans vol courrier et vol courrier pas forcément arrivé même jour il doit arriver 3 ou 4 jours après et j'aimerais expliquer moi et vol courrier ou bien deux vols courrier par semaine. Donc, deux vols pour la semaine, ça veut dire deux vols, ça veut dire ces vols qui comptent valises, mallettes. Valises, boîtes, mallettes. Est-ce que ça, et client obligé d'avoir l'autre copie pour lui? Pardon? On l'autre copie client bail, l'air comme ça? Non, mon client paye mallette additionnelle là, ou courrier additionnel là, nos services courrier, qui c'est 1,80$ la livre. Ok. Et nous-mêmes, boy, ça, qui vole nous gagne jeudi à? Pardon? Jeudi à là, nous gagne plusieurs vols? Non, jeudi à. Ou bien vol qui a l'Okaï, ou bien vol qui a l'Okap, c'est tout. Mais nous va faire ça demain? Non. C'est bon pour des mots, bon pour des mots. Compagnie Sunwise, et bien nous connaissons qui là, c'est et voir faire voyage, et nous connaissons voyage ça qui c'est toujours et dans le pays, c'est de faire des au cap, au cas, et bien à cause de l'insécurité à venir faire, et nous venons faire face, obligé c'est avion, obligé de prendre un moment qui n'a pas l'air, mes amis, mais c'est pour s'allier nous-mêmes, nous allons regarder. Exactement comme un service là, c'est ça qui nous est obligé de passer une façon. Nous connaissons qui ça, des fois nous faisons le travail, bon, ils seraient même, je veux dire à nos présents, nous venons regarder exactement, mais nous, même tout le bagage est marché, nous regardons, nous, et comment ça, les gens qui viennent faire.
Toilette. Alors, on va pas prendre un peu de temps.